Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News, puisque ce soir nous avons pas mal de nouvelles choses autour de la série The Last of Us sur HBO. Pour commencer, nous apprenons que l'actrice Natasha Mumba, que nous avons pu voir dans plusieurs productions, notamment la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, rejoint le casting de la série pour incarner le personnage de Kim Tembo. Il s'agit d'un nouveau personnage inédit dans la trame de The Last of Us et pour le moment, nous ne savons pas s'il s'agit d'un personnage allié ou ennemi de Joël et Ellie, ni si elle fera partie des Lucioles ou d'une différente faction. Et justement, pour rester dans la série The Last of Us et au niveau du tournage, ce dernier se poursuit bien du côté de Calgary au Canada. Après toutes les informations et les photos que l'on a pu avoir autour des décors et de Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joël et Ellie, nous avons, pour commencer la semaine, les premières photos du fameux cordyceps qui sont apparues sur la toile. Comme les autres décors de la série, nous pouvons voir que le réalisme et la fidélité des décors sont tout simplement saisissants. Malgré la faible qualité des photos, nous pouvons voir que les amas dans les coins et son infestation veineuse sur le sol sont fidèles à la représentation que nous avons pu avoir dans les deux opus de The Last of Us. Pour rappel, le cordyceps, c'est le fameux virus qui s'est répandu le 24 septembre 2013 dans le monde de The Last of Us, un virus qui se transmet par des spores dans l'air et qui va contaminer la population. Au premier stade, les individus deviennent infectés et vont perdre toute la raison, toute la notion de leur sens, et au second stade, ils sont transformés peu à peu en champignons avant de mourir et provoquer ces phénomènes de putréfaction sur le sol et sur les murs. Voilà pour cette petite news express qui, encore une fois, rassure autour de la série The Last of Us. On voit vraiment que les équipes de production sont en train de préparer quelque chose d'extrêmement fidèle et ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit like, un partage, un commentaire pour donner votre avis et nous dire si ça vous hype ou pas. Et bien entendu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Salut à tous!